Gabriel, c'est quelqu'un de passionné, de très humain, de très généreux. Sophia, c'est la joie de vivre incarnée, hein, Sophia. J'ai beaucoup de chance parce que grâce à lui, j'ai pu avoir accès à pas mal de castings. Au quotidien, elle est drôle, elle est charmante. Et grâce à lui, aujourd'hui, bah, j'ai pu faire mon premier film. Outre le fait qu'elle chante bien, elle joue merveilleusement. Et ça, vous ne le saviez pas encore. Il a un côté enfantin aussi, et que Sophia peut avoir. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés en ça. Il y a un regard de Gabriel que je crois avoir trouvé. Sophie, elle a un petit cri de bonheur. Là où j'ai l'impression que j'ai un peu avancé, c'est sur mon impulsivité. Mais elle s'est mise au lancer de tabouret. C'est-à-dire que dans cette saison, je vais avoir affaire à des gens pas très, notamment une personne, pas super élégante. Effectivement, une race, entre guillemets, qu'elle a du mal à supporter, c'est les directeurs de casting. Et d'ailleurs, il y a un bureau spécifique qui a été ouvert au tribunal de grande instance de Paris. Et je suis fière de moi pour ça. On n'avait même pas de thune pour avoir un vrai blaireau dressé, on a pris une peluche. Alors c'est toi qui vas arrêter maintenant, c'est toi. Genre, on reste positif, mais tu te fous de notre gueule, toi, ou quoi? Espèce de gros hypocrite, va. C'est pas sa faute à lui. Ah, si, c'est de sa faute, justement, c'est carrément de sa faute même. La seule chose, c'est qu'il a un sacré défaut, c'est qu'il est très jaloux. Et très, très casse-couille aussi. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on n'est plus ensemble. J'ai pas envie d'en parler parce que j'ai encore mon petit cœur qui est un peu transi, quoi. Et là, il est pas impossible que j'ai des larmes. Alors on va se recroiser évidemment parce que c'est lui qui a fait en sorte que le film se fasse malgré tout. Mais j'ai quand même une petite dent encore contre lui. J'aime encore Sophia mais malheureusement je crois que ça sent le sapin. Ah, au fait, super interview là-dedans. Bravo. Hein. Ouais, enfin j'ai parlé du film pendant une heure. De la nature, du désir, de l'art. J'ai même placé le mot panthéisme et la meuf ce qu'elle retient c'est l'adresse de mon esthéticienne. Mais pour tout vous dire, j'ai... Bon... Il y a une petite relation amoureuse qui m'a remis sur pied. C'est une femme magnifique. M'en parlez pas, ça va encore me faire pleurer cette histoire. Je suis contente pour lui, qu'il en profite un peu. C'est Monica, non? Je rêve qu'elle m'envoie des SMS maintenant. Moi aussi, j'ai la langue par terre quand je vois Monica Bellucci. En fait, c'est jamais Monica, c'est toujours Danny Boone. Moi, j'aime bien comment toi, tu me regardes. Ah oui? Ton regard est bon et doux. Avec toi, j'ai confiance. Tant mieux, c'est chouette. Mon projet, c'est de relever la tête. Le film de Julien Doré va se faire, L'Océan jouit. Et puis surtout, d'essayer de mettre Hicham à distance. C'est une comédie musicale érotique, donc c'est un peu particulier pour le grand public. Il y a des scènes un peu dénudées. Il me colle trop au maillot, quoi. Faudrait que je tente un plaquage aux jambes ou un truc comme ça pour l'éliminer. C'est quoi ton mot de passe? Mais non, mais c'est bon. C'est quoi ton mot de passe? Hicham mon cul, tout attaché avec un salem. C'est bien. C'est tout. En fait, on s'aime. C'est très dommage. Hicham et moi, allez savoir, il y a peut-être un revirement de situation.